Une salade à maman et à papa. Ouah, une salade de fruits. Une salade de lentilles. Michel a promis de me donner sa recette. Et on a tous les ingrédients écrits sur sa liste. Un paquet de 500 g de lentilles vertes, 4 carottes, 2 clous de girofle, 1 oignon, 10 brins de persil plat, une branche de thym, une feuille de laurier, 3 tranches de lard fumé, 2 échalotes, du vinaigre de vin, de l'huile d'olive ou d'arachide, du sel, du poivre. On a tout, il manque plus que Michel. Ben tant pis, on commence sans lui. Et on verse les lentilles dans la cocotte. Et ensuite... Ensuite... Michel! J'arrive les enfants, voyons un peu. Il y a ça, ça et ça. Félicitations, Prune! Tu n'as rien oublié. Les lentilles sont dans la cocotte. Bien! On va les couvrir d'eau froide pour les blanchir. Les blanchir? Oui, c'est pour les attendrir. Voilà! On pose la cocotte sur la cuisinière et on met sur feu fort. Pendant que l'eau chauffe, on coupe les extrémités des carottes. Et on va les éplucher une par une. Il y en a 4 et on est 2, Michel. Ça fait 2 carottes chacun. Un vrai petit génie. On dirait Einstein en herbe. Pendant ce temps, je vais éplucher l'oignon avec un petit couteau. Ça me pique les yeux. Va mettre de l'eau froide dessus. J'ai une meilleure idée. Prune, tu peux planter les clous de girofle dedans, s'il te plaît? Ah, ça va nettement mieux. Où est le persil? Le voilà! Oh, joli bouquet! Tu l'as passé à l'eau? Et n'oublie pas de l'égoutter. Très drôle. Oh ben, si on veut plus rigoler... Si vous voulez bien, on va effeuiller un brin. Et gardez les feuilles pour plus tard. Maintenant, il faut faire un bouquet garni. Vous voulez essayer? Oui, oui! On prend un brin de persil, une feuille de laurier et une branche de thym. On les attache avec une ficelle et le bouquet est prêt. Et voilà, mesdames et messieurs. Bravo! Youpi, youpi, youpi! Michel, Michel, l'eau de la cocotte boue! Qu'est-ce qu'on fait? Attention, c'est très chaud. On égoutte les lentilles dans une passoire posée dans l'évier. On n'oublie pas les gants. Prune, Michel, je vous vois plus. On va remettre les lentilles dans la cocotte qu'on a rincée. On les recouvre d'eau froide, 1 cm au-dessus à peu près. Et on ajoute les carottes. Et il en manque une. Juste un bout. On a le droit de goûter les ingrédients quand on cuisine. On ajoute l'oignon et le bouquet garni. Et on chauffe jusqu'à l'ébullition. Michel, oh, t'as oublié de mettre le sel. Non, pas du tout. C'est mon secret. Si on sale seulement après 30 minutes de cuisson, les lentilles ne durcissent pas. Mais dites-moi les enfants, regardez ce bazar. Ça ne vous suggère pas quelque chose? Oh! Michel, Michel! Ça y est, l'eau boue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser le feu. Encore un petit peu, Prune. Voilà, à feu doux. Ça doit cuire à petit bouillon, gentiment. Et on couvre.
Pendant ce temps, on va hacher les deux échalotes et couper les tranches de lard fumé en cubes d'un centimètre. Mmh. On garde de côté sur une assiette. Michel, c'est bon, faut saler. Exact. On va laisser cuire encore 15 minutes. Maintenant, on va égoutter les lentilles dans la passoire posée dans l'évier. Mais attention! N'oubliez pas de mettre vos gants avant de toucher la cocotte. On enlève le bouquet garni et l'oignon qu'on jette à la poubelle. Ensuite, on retire les carottes, on les pose sur une planche et on les découpe en tranches fines. Très bien, les enfants. On verse les lentilles dans un saladier et on y ajoute les carottes, les échalotes hachées, un peu de poivre et 5 cuillères à soupe d'huile. De l'huile d'olive, c'est celle que je préfère. Oui, ou de l'huile d'arachide, comme vous voulez. Et là, on mélange délicatement avec une cuillère. Maintenant, regardez bien. On verse une cuillère d'huile dans la poêle et dès que c'est chaud, on ajoute les lardons et on les fait bien dorer de tous les côtés. Ensuite, on égoutte dans la passoire posée dans l'évier, on repose la poêle sur le feu, toujours à puissance maximum, et on verse 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin. Attention, oh, le génie du vinaigre va attaquer vos petites narines. Ça pique! Oui, mon grand, c'est l'alcool du vinaigre qui s'évapore. Maintenant, on jette très vite les lardons égouttés dans la poêle, on mélange énergiquement avec une cuillère en bois, et hop, on verse le tout sur les lentilles. Allez, à vous. Vous pouvez mélanger très délicatement. Bien, il ne reste plus qu'à prendre les ciseaux et couper les feuilles de persil. Pendant que vous hachez le persil et que les lentilles refroidissent, qui nous rappelle le secret de la réussite d'une bonne salade de lentilles? Moi! Il faut saler après 30 minutes de cuisson pour que les lentilles ne durcissent pas. C'est trop bon! Tu vois, il n'y a pas que les salades de fruits. Attendez les enfants, il faut que ça refroidisse. Ça se mange tiède, une salade de lentilles. D'accord, Michel, on va attendre. Pas ça. Ah, c'est nul. Hey, bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce livre de cuisine? Bonjour Michel, on cherche quelque chose de bon pour l'apéritif. Nos parents ont des invités. Quelque chose de bon, de facile qui se mange à l'apéritif. J'ai une idée. Deux gougères géantes, qu'en dites-vous? Géantes? Mais Michel, tu sais, ils sont 4 seulement. T'as pensé aux ingrédients? On n'a pas le temps d'aller faire des courses. Je suis presque sûr que vous avez tout dans vos réserves. Il nous faut 300 g de farine, 150 g de beurre plus 2 grandes cuillères, 30 centilitres d'eau, 9 œufs en tout, 200 g de gruyère râpée et du sel. Super, tout est là. Alors pour commencer, on va verser 30 centilitres d'eau dans la grande casserole. Et on va ajouter le beurre en tranches. Comment on fait pour avoir 125 grammes? Eh bien, un paquet de beurre pèse 250 grammes. Si on le coupe en deux, ça fait combien? 1,5 kg? Moi je sais, ça fait 125 grammes. Bravo Prune. Voilà, et j'ai plus qu'à ajouter une petite tranche et ça fera 150 grammes. C'est moi qui coupe le beurre. Très bien. Maintenant, on va ajouter les tranches dans l'eau. Oh, on dirait des petits poissons. T'as déjà vu des poissons carrés, toi? Tu veux bien te charger de saler, Bob? Je donne à manger aux petits poissons. Et puis, on pose la casserole sur feu moyen. Regarde, Michel, mes petits poissons au beurre, ils disparaissent. Est-ce que ça bout? Parfait. Alors, on va ajouter la farine. Mais attention, d'un seul coup.
Ensuite, on mélange énergiquement avec la cuillère en bois. Ah, t'as vu, ça fait une boule de pâte. Oui, c'est exactement ce qu'il faut. Et on va baisser le feu. On mélange sans s'arrêter pendant 4 minutes. C'est très important. C'est maintenant qu'on met les œufs? On y arrive. Mais avant, je vais vous révéler mon petit secret. Le secret, le secret, le secret! Eh bien, le voici. Il faut mettre la boule de pâte dans un grand saladier avant de casser les œufs. Sinon, vous risquez de faire des œufs brouillés avec la chaleur de la casserole. C'est bon, on peut casser 3 œufs. T'es prêt? Mélange très vite avec la cuillère en bois jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Comment tu as dit? Momo quoi? J'ai pas bien compris. Homogène, c'est lorsque la pâte est lisse et onctueuse. Maintenant, on va casser 3 autres œufs. 1, 2, 3. Et à nouveau, on mélange énergiquement. Recasser 3 œufs. 1, 2, 3. Voilà, on mélange bien et ensuite on ajoute le fromage râpé. Râpé, râpé le fromage. Ensuite, on va laisser reposer 15 minutes au moins. Et pendant ce temps, on allume le four à 200, 6,5 au thermostat. On n'oublie pas ses gants et on retire la plaque du four. Et là, avec une bonne cuillère à café de beurre, on va beurrer. On peut le faire avec ses doigts ou avec un pinceau. Waouh! Prune, je peux le faire avec le pinceau? D'accord, moi je le ferai avec les doigts. C'est prêt? Bien! Avec une cuillère à soupe, on va répartir la moitié de la pâte dans le plat, cuillère après cuillère, pour faire une couronne. Pâte. Oh. On fera la deuxième gougère plus tard avec le reste de la pâte. Toi, un gros truc comme ça avec un trou? Franchement, ça m'étonnerait. On pose la plaque à mi-hauteur et on laisse cuire 40 minutes. Ah! Qu'est-ce qu'on peut bien faire pendant tout ce temps? La vaisselle? Peut-être? Oui, c'est moi qui commence! Michel, on n'oublie pas ses gants! Attention, fermez vos yeux! Et maintenant, ouvrez-les. Waouh! Tu nous as fait une farce. C'est pas cette pâte-là qu'on a mis dans le four. Bien sûr que si, mais elle a cuit. Il faut attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir la goûter. Et à l'aide d'une spatule, on détache la gougère de la plaque. Et on la pose sur une grille pour qu'elle sèche des deux côtés. Au fait, quel est le secret pour réussir une bonne gougère? Bob, tu te souviens? Oui. C'est quand on casse les œufs. On sort la boule de pâte de la casserole chaude et on la met dans un grand saladier. Et puis, on casse les œufs dessus. Sinon, on risque d'avoir des œufs brouillés. Chut, Michel, j'entends parler. Les invités sont là. Tu nous coupes quelques morceaux? Pendant que vous les servez, je prépare la deuxième gougère. Hey, je croyais que c'était pour les amis de vos parents. Vaut mieux la goûter avant, au cas où elle serait pas bonne. Oui, bien sûr.